Pourquoi ne nous tournerions-nous pas vers des farines à base de produits locaux? Plus qu'une interrogation, c'est une solution qui s'impose à nous. Il faut qu'on mette en place la stratégie d'import substitution. Donc on ne peut plus continuer à dépendre de l'extérieur, avoir une économie extravertie. Avec la pénurie du blé et ses coûts qui ont véritablement explosé à l'international, le Cameroun ne peut plus se payer du luxe d'être uniquement là dans une stratégie, une politique d'importation tout azimut. Il faut rappeler que beaucoup de pays, avec cette pandémie, ont ralenti les exportations pour pouvoir satisfaire la demande locale de leurs concitoyens. On parle ici de l'utilisation des féculents tels que le manioc ou la patate, pour ne citer que cela, question de promouvoir le Made in Cameroun. Donc, il faut aller vers le pain fait à base de farine locale, notamment du manioc. Donc, c'est une politique qu'on doit mettre en place. Une solution laquelle, si elle est implémentée, va résoudre les problèmes de chômage et de balance commerciale déficitaire. Bon à savoir, à lui seul, le manioc est riche en glucides, favorise le transit intestinal et permet de soulager les problèmes d'estomac.